La ruche lumineuse essaie de reprendre la position de la reine sorcière sur votre lune. Il faut un énorme rituel de la ruche pour transporter une force d'invasion de cette taille. Corbeau, est-ce que vous avez un visuel sur le rituel? Corbeau, vous me recevez? Bon sang. Avancez sans lui. Nous ne pouvons pas détourner notre attention de l'invasion que prépare la ruche lumineuse. En tant qu'allié, gardien. Vous allez voir comment les cabales traitent avec la ruche. Je crois que la ruche nous a vu venir. Sans le travail d'éclaireur du corbeau, nous avançons à l'aveugle. Mes psions indiquent un pic énergétique un peu plus loin. Ce doit être le rituel de la ruche que nous cherchons. Bien. Mettons fin au rituel. Éliminons leur chef et empêchons cette invasion. Ce doit être le rituel dont ont parlé les psions de Kayatel. Ces réceptacles concentrent leur lumière volée. Éliminez leur porte-tribu et empêchez le portail de fonctionner. Une fois ces renforts stoppés, nous trancherons la tête de ce serpent.
Le corbeau a confirmé. Il s'agit bien de notre cible. Toujours aucune nouvelle de lui. Mission confirme. Cible repérée. Affronter sans détruire, gardien. Une fois que mes guerriers vous auront envoyé dans le plan psychique, vous pourrez libérer toute votre brutalité. Savatoun a moyen de manipuler ses fidèles. Quoi qu'elle fasse, la lance synaptique la fera sortir. Thank you.
travail. L'invasion est stoppée, pour l'instant. C'est un exploit que l'on doit aux gardiens et à mes guerriers psioniques, qui ont encore une fois montré leur valeur. Quand la ruche lumineuse reviendra à l'attaque, l'avant-garde et l'Empire l'arrêteront. Ensemble. Ne mettons pas la langue avant les défenses, petit homme. La confiance est encore fragile. Mais pour aujourd'hui, au moins, je suis heureuse de partager une victoire. Quelqu'un doit localiser le corbeau. Je vous retrouve à la tour.